Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Welcome to NCL Tours. We offer flights to worldwide destinations. We provide holiday packages, hotels and transportation. We run luxury coach trips to European destinations across France, Germany, Switzerland and many more. To book a holiday to any destinations around the world, please visit our website on www.nclTours.co.uk or why not give us a call to speak to one of our travel experts on 0208 900 1624. NCL Tours, ATOL protected. Gaga. Ba pesa ka confiance na moto ya si a sali ba preuve. Yeso ki a laki, to yebi a kosala. Chers amis, bonjour et bienvenue dans le programme Nabino Asika na Kombo ya Parlons peu mais parlons bien. Tous allez live à la MITV. C'est le passeur bienvenu Messalin, le passeur de la diaspora. Avec moi, invité spécial na Kombo ya madame Peggy avec qui tout partager na lelo ba sujet oyo te libino na après-midi à lelo. Alors madame Peggy, bonsoir et bienvenue na Bonjour na, monsieur le programme Asika la ensemble avec yo, tu as partagé en tout cas bah, un moment un peu spécial. Alors, quoi. Mais avant, tout bande de programme, Madame Peggy, comme on avait parlé avant, il y a un sujet de la charité. Alors, hein. Tu vas parler un peu de la charité. Hein. Voilà. Alors, ma première question, je voulais vraiment savoir comment est venue l'idée de la charité. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Coco Harris, de m'avoir invité encore une fois le plus dans le plateau na Bino. Ouais. Alors, j'ai une très bonne nouvelle à annoncer à nos téléspectateurs, Ndengo Tukoluba. Nous avons notre ONG, Otozoko Emerge Nango Awa, depuis, ça fait plus de 5 ans. Alors, par rapport à la question Otuningai, l'idée est qu'il y a un peu juste par Nande Tokina Amboka. Ok. Donc, il y en a plus souvent. Alors, par rapport à la misère qui existe au Congo, mm-hmm. et par rapport aux injustices, et puis, nous avons eu cette idée d'essayer de faire quelque chose pour aider notre communauté, okay. d'un niveau à Congo et puis d'un niveau à Awa. Parce okay. que nous sommes basés ici, et puis, Makamouni Sozo Lekana Awa, en fait. Mm-hmm. Oui, c'était juste par rapport à ça, comme on a un maltraitant sur le salama au niveau des femmes. Okay. Alors, nous avons pris cette initiative-là de travailler avec les femmes. Seulement avec les femmes, pas avec les hommes, seulement avec les femmes. Seulement avec les femmes. Okay. Mais pourquoi seulement avec les femmes et pas les hommes ou bien les enfants ou bien... Bah, pourquoi seulement avoir choisi les femmes seulement pour Nago? Bon, merci beaucoup, c'est une très bonne question. Avec les femmes, nous voulons travailler plus avec les femmes. Pourquoi? Parce qu'on dit toujours que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Ouais. Donc moi, si Sokazali épanoui, moi, si Sokazali azali émancipé, a la capacité wana, il y a qu'à aider, il y a qu'à soutenir famille naï. Même quand... mais tu es là pour l'épauler. Ouais. Alors nous avons préféré travailler avec des femmes dans ouais. le cadre wana. Ouais. Parce que moi si Orazali debout dans sa maison, d'accord, ouais.
Et c'est par rapport à ça. Donc, ouais. Discriminité, c'est que non, les hommes à côté, ouais. Les femmes à côté, non. Ouais. Nous travaillons plus avec les femmes. Avec les femmes, comme ouais. je viens de dire, même okay. ici en Angleterre, toujours on travaille plus là-bas. Ok. Pardon, Madame Peggy, là, le numéro, vous allez afficher devant vos écrans, en tout cas, ce n'est pas pour rappeler, c'est juste pour texter. Et puis, ou bien dans la private number, en tout cas, de rejoindre vous avez dans la private number, au canon numéro, donc texter, tu vous répondrez. Après, alors, Madame Peggy, parlons toujours sur votre charité Oyo, Bozo Salawana. Vous avez à peu près combien de membres qui ont travaillé dans Bangou? À peu près combien? Une dizaine, une vingtaine, combien à peu près? Au niveau de Londres, ouais. Au niveau de Londres, nous avons ouais. un bureau. Ouais. Nous avons un bureau qui est déjà établi ouais. dans Renfrew Road, okay. dans East London. Ouais. Dans Toronto Avenue, dans Fraud Center. Ouais. Nous travaillons avec une équipe au moins de 5 personnes. Nous avons nos avocats, tous un avocat à Bissot, tous un avocat d'administration, tous un avocat où tous travaillent à Bango Awa. Mais à niveau à Kinshasa, c'est encore plus large. Okay. Parce que Kuna, ils allaient place haute, ils allaient plus dans l'activité. Ah, puis tous ces activités, tous sur l'ango tout à l'heure, tous développer l'ango pendant que tous au Kenya la émission à Bissot. Ok. Là, c'est votre nouveau programme, en tout cas programme où tous à l'ango, ils allent deux fois par mois. C'est pour ça que chaque fin du mois, il y a début à mois, donc début à mois, le premier semaine, il y a début à mois, et puis là, chaque samedi, il y a fin du mois. Quoi. Donc, tu vas passer seulement deux fois par semaine. Parce que les, par mois. Ouais, par mois, ouais, parce que tu es un peu busy, et puis les possibilités, ils sont un peu en manque. Et puis, bah, sponsor à ma casse, il faut en balité. S'il y avait des bons sponsors, on passera chaque samedi, il n'y a pas de problème. Hein. Pour le moment, tu vas passer deux fois par mois. Alors, Madame Peggy, revenons toujours à nos moutons. Tu parles toujours sur votre charité. Alors, si vous avez travaillé dans la charité, si vous avez besoin de soutien aux communautés congolaises, nous n'avons pas besoin de soutien, M. Koukouaris. On n'a pas besoin de soutien. Et lors de ça, là, il faut tout sur l'ango. Ils allaient que nous sommes en train d'aider les femmes au niveau de l'Angleterre. Madame, pardon, je ne comprends pas les questions. Admettons que nous, tout le monde a des bonnes volontés. Nous avons raté. Alors, dit que nous, à ces pays, dans geste et au ça parce que vous avez dit les femmes quand même. Ah, bien, non, bon, je vais vous faire un chèque de 50 000 pounds. Est-ce que vous refusez un mot quand même? Bon, tout ça, charité, tout beau yaté, mais ce n'est pas le but de notre émission aujourd'hui. Ok. C'est juste pour parler de ce que nous sommes en train de faire et de ce qui s'est réalisé actuellement en Angleterre. Tout à fait. À Charité, nous avons Field of Hope, okay. donc le champ d'espoir. Le champ d'espoir. Nous travaillons avec les femmes, ouais. je vais un peu éclaircir, nous travaillons avec les femmes, nous avons aidé Bassi au Bazana en Angleterre parce que nous sommes en collaboration dans le collège Moko et Zali privé, le collège surtout Batios Bazo Kende, et Zali basé dans Canary Wharf. Okay. Donc Bazo recruté Bassi Balin qui travaille dans Bissot, nous avons travaillé en collaboration. Les alliés collèges comme mon néné, HND, les alliés, les diplômes, les alliés. Alors nous avons eu cette idée de travailler avec eux en collaboration. Pourquoi? Parce que tant que Bissot aux alliés charité, tous autres travaillent à Bassi, de l'ingi Bassi Bakende de l'avant. Ouais. Donc c'est-à-dire que moi, si Azala émancipé, donc le service que nous offrons, ils allient simplement à niveau et à éducation. Tout l'ingi basi au basali en Angleterre, aux allient na qualification mon côté, au tangaté, aux l'ingi ko kota na école. Nous sommes là pour vous aider. Donc application form nyo surtout pour ça là, tous allient wana. Basi mususu basali par exemple, azana qualification moko quelconque et kalingi akende de l'avant. Nous sommes là pour elle. Donc tous allient on a pour la coéder basi. Donc dans le collège, on a toujours travaillé dans Bango. Ce n'est pas que Bazangi batou, Bazan a battu dans Bango. Mais quand on s'intéresse à la charité, à Bissot, à l'ambition, à la vision, à Bissot, il y a un contact avec Bissot. Donc, toujours travaillé dans Bango. Donc, Moutounion, surtout, une femme, maman, même les papas, il n'y a pas de problème quand vous êtes en Angleterre. Boulingi Bo qui est dans le collège, parce que si vous comme il faut, vous level 3, Bango a la capacité à former pendant 6 mois et puis vous allez HND Nayo. Donc le collège est basé à Canary Wharf, mais il faudra passer par notre organisation pour tout quoi qu'on aide bino, na application form na bino, tout aide bino na makamounio, surtout tout ce qu'il faudra faire pour la boucle qu'on enrôle et zobanda à Kalate la semaine prochaine, na septembre. Donc nous sommes basés na Fraud Center, ils allaient sur Renfrew Road, numéro ils en ont et puis adresse est qu'on passe. Vous êtes les bienvenus, en tout cas vous êtes welcome, y'a quoi y'a pour la coto aide bino. Si vous, Madame Peggy, si vous bateau on l'a fait en pelle boy, si vous bateau bah vous y'a pas na bino.
peut-être bas ça intéressé bas passer na service nabino. Est-ce que bon c'est qu'à bango des frais à payer? Non, pas du tout. Ils allaient totalement gratuit. Tous ont c'est qu'à bas frais mon côté monsieur Koko Aris, ils allent gratuit parce que tous ça charité. Autolingo aider la femme congolaise à l'ouanakata buzoba à l'ouanakati na bassesse na kata médiocrité communauté nabino qui est liboso. Il n'y a pas que ce service là. Tous ont offrir des services na makambo ebélé. Bas monsieur sous monsieur Koko Aris basali na ba council tax ba rent na bango ekoma déjà avancé parce qu'il y avait beaucoup de changements na makama ba benefit 4 bam souba éviter. Nous sommes là pour vous aider toko benga toko bandingi toko ko aider bino pour na ko réduire ba bill wana ndingi toko ko sa no payment plan. Donc nous sommes là pour aider ba misu ba vana banda ko ba council par exemple so ko vana ndako council après 5 ans aux ans la droit ko somba ndako wana so ko vana ndako housing association après 8 ans aux ans la droit ko somba ndako wana. Nous sommes là pour vous aider so ko yebi ko zana na kawana ozoko sala au lieu ofu ta full rent ofu ta ndako yomoko okozo ngona mortgage. Et nous sommes là field of women field of hope pardon le champ d'espoir est avant pour la coïncider basi tout qui est de l'avant tout comme on va propriétaire dans Katamboka Oyo. Donc ce qu'on a dans quoi council pendant plus de 5 ans aux en a right to buy ce qu'on peut la démarche à ça la tête. Nous sommes là pour ça le formulaire pour comme le lettre na propriétaire na yo pour comme propriétaire ce qu'on a right to buy biso to ça le démarche yo sur tout et ça l'on a dans quoi council et ça l'on a aux en a dans quoi housing association ba loi ne zo apply pour tout le monde. Donc ça ne sert à rien. Au foot à full rent nayo, 200, 300 livres ou 500 même voire 800 livres par mois. Tandis que même plus, tandis que au comme propriétaire. Donc si nous voulons travailler avec les femmes, monsieur Koko Aris, exact que pour la communauté Okende de l'avant. Le service est gratuit. Tout le monde sait mon côté que bon il faut qu'on foute non. Nous le faisons vraiment gratuitement et puis ils ont juste donné un petit coloba pour que la communauté toko mapeba l'enlo. Ceux qui sont moins bas communauté, monsieur Soubaya par exemple, bas Somaliens, bas Koti Namboka Oyo après les Congolais. Les Somaliens ne sont venus ici que quelques années, il y a plus de peut-être bas 15-20 ans. Mais bas en bas organisation, bas Ngo Evanda Makamoni surtout ceux qui sont de l'avant. C'est comme ça que nous avons eu cette initiative là, pardon, d'aider les femmes. Oyo bas Koki Kozala, bas si bas Telemi puis bas Obunde là bas droit na Bango. L'émancipation de la femme. Il faut que moi c'est aïe bas droit naie. Bas droit mingeza na Katamboko biso toye bakati. Ou un endroit à council par exemple plus de 20 ans aux propriétaires c'est inconcevable voilà et puis là-bas bénéfice 4 dans ma cambe belé ou comme qu'on fout à full rent pourquoi faut ta full rent tant que son bango alors bon les matins bon la tête que non il y a un espoir il y a toujours un moyen d'aller de l'avant il y a une agence na ONG na biso tout créer en gros justement pour ça tous un avocat avocat ONG Nabiso Azali, tous en bateau, administration, à occuper même Makamba immigration, que je salue même en passant, Nancy Mata Kabongo, si tu me suis maintenant, en tout cas avec ton mari, je vous salue. Donc voilà, c'est une avocate, moi Namboka, elle est congolaise, elle a émergé, elle a étudié ici pendant plusieurs années, Azali ko exerçait droit naïe en tant qu'avocate, donc elle est là pour nous, pour aider la communauté. Prochainement, je pense qu'elle sera ici avec nous dans l'émission Nabiso, à ko expliquer en parce que moi, je ne suis pas avocate, donc il y a mon corps là, n'a plus d'informations à donner. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire. Donc, ma maman, au Bovandi, au Biplace, au Commissaire de Collège, nous sommes là. Aux Alanda, au Council, au Housing Association, aux autres travailler, au Link, au Sombango, nous sommes là. Nous allons vous aider. Na ba application form nyonso, donc au Edebino, comment, senga right to buy. Donc au Edebino, pour tes communautés qui ne liboso, plutôt comme ma propriétaire. C'est donc c'était donc, un peu madame Peggy, comme vous avez passé votre vie bangote, donc si vous vendez la banda ko baletan la pesa bato après 5 ans aux ans la droit au comme propriétaire nango automatiquement automatiquement après 5 ans ceux qui aux ko respecter contrat nayo donc faut ta comment la charge nayo aux ans la banyongo moko exorbitante te par exemple ko za nyongo moko il y a 2000 3000 livres faut ta kate en tout cas aux ans la crédibilité te on est normal aux ans la banyongo faut ta kate quand c'est le taxe nayo au foot à kaba charge nayo parce qu'on a ba charge aux autres foot à ba charge nayo comme il faut par mois en tout cas ça ne sert à rien au continuer qu'au foot à ba full rent wana tu as le droit d'acheter ta maison parce que tant baloba ko ba pesi biso ndako libela ezaranda ko libela te ezaranda ko l'état pesio parce que tu n'as pas d'endroit pour aller mais ça yo a libela te ndako nayo libela ezaranda ko sombi yango donc ba ko répandre yango et l'état même sauf qu'ils ont respecté contrat et j'espère qu'ils aillent le comment sikaté ba tubele ba yebi yango sauf qu'ils ont respecté contrat nayo te
aux autres foutent à charge na yoto aux foutent à cancel tax na yoto aux foutent aux ana banyongo bien sûr aux reçoit crédit ni wanate mais si tu es en ordre nanda kona au foutent à kango et puis ça fait plus de 5 ans aux ananda quoi cancel aux ana plus de 8 ans aux ananda quoi housing association tu as le droit d'acheter ta maison comme propriétaire et puis déposite nango ezali nango vraiment mouké eza déposite mouka mounenete. Donc nous sommes là pour vous aider. Ceux qui ont la place à Okendete, ou si tu as un advisor par rapport à langage, par exemple anglais, tu as une première langue, tu as une barrière, à la barrière, organisation, tu as une pour la aider. Tu as une aide au fond et en comble. Donc dans l'application form, dans la right to buy, nous on est là. Dans la classe, la classe, septembre, la classe de Gbandaki. Organisation tous ceux qui travaillent dans le collège ou dans les allées na Canary Wharf, nous sommes là pour vous. Donc ce n'est pas encore trop tard. Yo maman aux une place dans le collège t, yo maman aux une place dans l'université t, c'est le moment. Ouais. Faut contacter biso tous allées chaque mercredi. Tous allées juste une fois par semaine. Chaque mercredi tu reviens bino pour la aider bino dans la démarche niens surtout aux salles. Chaque mercredi de quelle heure à quelle heure? Normalement nous avons prévu tout ça tous autres travaillent de 17h jusque même très tard. Parce que aussi tout peut sa maman tant bas au bas dans la classe ou dans la salle. Une fois par semaine c'est moi. Une fois par semaine chaque mercredi tous avons un numéro Azali les autres les canabes écran bino il faut appeler aux Azali concernés. Ok. Tous Azali on a pour la bino. Ok break we'll be back very soon. Thank you. Welcome back na Welcome TV. C'est un passeur, bienvenue, mais ça allait le passeur de la diaspora. En tout cas, là, nous voulons remercier Batoba dans le programme Oyo. La présence de Maman Claudine Kalembe, Namoubali Naé, Chérie Naé, Rachidi, na Plesto. Baza vraiment devant leurs grands écrans. Baza l'anabis. Et puis, je remercie encore Marie-Claire Farah et Maman Marie-Louise Pambou de Common Cause. Baza Life, na programme l'anabis. Sans oublier Carmen Malila. Carmen Malila est toujours en forme. Madame Mano, Peggy, tu revenir dans le sujet de la Bissot, toujours sur ta. Va s'arrêter au Borossal, en tout cas, et c'est le moment vraiment, il y a Malam Oyo. Là, personnellement, je vous encourage vraiment quoi. Merci. Mais à part que vous allez baser dans la UK, à part UK, en Europe, en Afrique, vous avez une base de Kuna? Si, si. On est tous basés dans Congo-Kinshasa. Pour le moment, ça fait plus de 5 ans aussi que nous sommes en train d'émerger là-bas. Tous au travail, dans Bassi, au Bazali délaissé, ma femme au Bazali battue, ma femme au Bazali martyrisée. Donc actuellement, tous au travail déjà, je pense que l'émission a bien passé dans le Bakiango. Nous sommes en train de travailler avec plus ou moins 150 familles de femmes, de mamans, donc 150 famille en général, donc avec ma maman, il y a ma kata famille, ma famille, voilà. La branche n'a plus à Kinshasa, donc Tobani na zone Yangaliema. Bas si on a toujours travaillé na Bango, nous sommes en train de les aider à s'épanouir. Quand on est toujours sala Awa, qu'on appelle toujours salango. Mais au Congo, nous sommes plus en train de le faire dans Ndenge Yako, créer Bango ba emploi. Système n'a plus vision n'a plus il y a champ d'espoir, field of hope, et Zali couper sa batumbicité. Nous leur donnons pas le poisson, mais nous leur apprenons à pêcher. Parce que les locaux qui ont des. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très, oui, très oui. Bon. Oui, oui. Les locaux qui ont des PC, maman, moana, au PC Lamba, au PC le. Oui, bien sûr, à Colata. Mais lobby, au PC, moi, dans le journal de classe. Bon, ceux qui. Maman, Zoko, ma parent, Zoko, Foot, et la moine, à Minervalte. Ce journal de classe-là, ça lui sert ça à quoi? Ça va servir à quoi? Bah, travaille là, ma femme, à Kinshasa. Mais dernièrement, tous qui ma maman, la dernière fois que j'étais à Kinshasa, tous autres travaillent là, ma maman, où déjà, bah, commis, à niveau, mon sousou. Ma maman, au coucou, ça y est, point, quoi apprendre, bah, moi, il y a qu'au péché. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Bah, point stratégique, Ezali. Il y a deux femmes, par exemple, avant, dans le quartier Moko, école Moko, ils ont, par exemple, juste à côté, à 50 mètres de chez elle. Tu vends qui, tu as ma maman, tu as une étude de faisabilité, tu as aidé Bango, maman Moko a Sengai, par exemple, à Lingo, tu as juste mikate, ba baigné. Oui, ça fait plus de 2 ans maintenant qu'elle est en train de faire ça. A Otiko Bengabso, dernièrement, a commis à niveau, il y a cabine téléphonique. À partir de Mongoana, elle paye le Minerval à ses enfants, elle est en train de nourrir ses enfants, et les lois a commis à niveau Moko élevé. Et ça m'avait vraiment fait un grand plaisir parce que comme on a moussala ozo banda de rien yo au monde par exemple ah maman moko azote kamikata osana ngonine ah est-ce que wana za moussala ko pesa na moto bien sûr il n'y a pas de saut métier ba maman nyo surtout ozo ko travailler na bango en tout cas ce sont des femmes qui sont en train de s'épanouir pour le moment au Congo ba za ba maman bazo ba komi ko fouté là-bas na bango classe ba komi donc prochainement même il y aura des images amener les images et tout là ça va image ozo ko travailler na ba maman wana
on n'aime pas vraiment faire la publicité. Pour qu'on salle mon salaire à charité, les mots le quand la télévision, le bango. Mais si aujourd'hui, même la Bible nous dit le beau coso que pessi ou et batté. Mais si il est l'autre dans l'équipe de la télévision, c'est pour vous dire, pour vous informer, service au tobandi, que ça la awa, tout ça la rompe la Kinshasa. N'a sengi moutoumbo moté, tout sengi aide mon côté que quoi que ce soit, ou y'a la loco, non, nous le faisons. Tout ça la rompe gratuitement. Tout ça la rompe gratuitement. Donc notre vision, c'est de créer de l'emploi au tozo que ça la déjà na Congo. Donc nous travaillons avec ces femmes-là. Nous avons des images tant que tozo qui bango avant. Mais au moins, on n'a pas d'image négle et l'eau à commis. Peut-être prochainement. Ouais. Ce sont des femmes qui sont vraiment émancipées. Ce sont des femmes qui sont épanouies. Comme il y a la possibilité, il y a qu'au foot et là-bas, on a bango la classe. Donc nous ne nous leur donnons pas du poisson. Nous leur apprenons à pêcher. On peut s'en moins les lambas et l'eau. Et ça, on m'a bêté. Ce n'est pas dit que bateau bazo sala, on va au salam. Non, je vous encourage, il faut toujours continuer votre vision. Mais ils allaient l'eau au bisou toujours au salaté. Bisou toujours qu'à prendre bango à pêcher. Donc même bas haut, il y a que bazan la femme, net la famille, même au niveau de l'Angleterre, vous pouvez toujours leur recommander na bureau, na bisou, na Kinshasa. Je vais aussi vous donner l'adresse, tous un bureau, na Kinshasa. Ils ont recruté. Nous avons un centre de formation. Tous ont formé basi, tous ont éduqué bango, et puis tous allaient qu'aux ongles, bango na kata société. Les femmes qui sont martyrisées, bah, elles place à aucun été. Une femme qui est battue par son mari, et ça, nous sommes en abus au bassi. Pour M. Koukouaris de Mouvandiwana, tu ne sais pas la souffrance d'une femme, parce que tu n'es pas une femme. Il faut aller moi si, pour y passer à mon inga. Moi si, au bazo, au bétail. Moi si, aux azali martyrisé. Moi si, au suivi, ma domestique violence. C'est le travail que nous sommes en train d'effectuer. Et tous autres travail, là, bah, maman, wana, rien que pour nous emmener, bango, bazo, en akati à société. Maman, on a été que bazali délaissé. Si nous faisons ce travail avec les femmes, pourquoi avec les femmes. Pour maman, m'ta éduqué comme moi. Maman, m'ta batte la cabane. Les lots qui moi, la zo sakana, monsieur Koko Aris, moi, na koye, moi, na moka zoki. Parle bas, oh là, moi, na koye zoki, maman, na yazawapi. Premier instinct, moutezaka, maman, moi, na azali wapi. Donc, c'est parce que Bissobasi, toujours un rôle très crucial na vie, na éducation, ba na biso. Donc, maman, so kaza bien, na katanda kunaye, ba na bakozala bien. Tout à fait. Ba na bakofout. Ce qui maman zana, moi, mon bon oiseau, ko sala, biso, tozo ko yede bango, akofout, il a moins la minerval, bako lesa bana. Yo, zo pesi moi, na journal de classe. Bon, journal de classe, on a ce moi, azana minerval te. Ça lui sert à quoi ce journal de classe là? À rien du tout. Pour ba robenga na moi, na classe, ako tangate. Mais nous, travaillons avec les femmes, y a on a zongi la question, tout na kinga, pourquoi les femmes? Parce que moi, si so kaza li devant, moi, si so kaza li debout, ndako kendaka, misale kendaka. Moi, si so kaza li, foutre là-bas dans les classes. Avec les femmes que nous travaillons, tu l'axi baron que bon ça la car la mentalité qu'on singa singate. Bon ça la basi oyo même na mikate. Au côté que tu as par exemple la te bélé babanda de nulle part. Babanda ne loko mon côté mais le loba comme des grandes femmes d'affaires. Donc pourquoi pas. Voilà. Donc bazali tu as les micro crédité que tu as def sa basi après bazon sélection avec intérêt. Non, pas du tout. Tu as aidé basi ba kende de l'avant. Tu as créé bango de l'emploi. Net agence tu as formé basi pour le moment notre centre d'éducation. Tous en la base, tous ont formé bango na hospitalité. Comment même une domestique nandako? Parce que le domestique, azéza musala pamba, azéza musala pamba te. Mais sur base, tous ont travaillé na bango, tous ont la sa bango hospitalité. Comment se tenir? Comment s'habiller? Yo osali osali servante. Pour la combien on bat domestique, osali servante. Na katyanda ko moto, il faut qu'on comment qu'on se tenir. Qu'on bandenga ni nyoko ko solo na bapaya. Comment servir? Donc tous ont apprendre ma maman wana na niveau Kinshasa. Et nous avons toute une équipe pour tous ont travaillé na bango. Donc c'est le comoko que au Rwanda il y a pas, comme on dit, il n'y a pas de saut métier, monsieur Koko Aris. Et ça juste dans le domaine on a toujours formé basinaka ta hospitalité. Toujours conformé basi na kati ya mombongo de o azangi akoyo ko tozo pesa bango quelque chose pour na ekeba kende de l'avant. Moi si soka telemi, je sais que la maison va aller de l'avant. Moi si soka za debout, chômage est aussi là. Donc nous créons des emplois pour ces femmes là. Nous leur apprenons à pêcher. On leur donne pas du poisson. Non. Mais ce n'est pas dit. Madame Peggy, vous avez qu'on appelle une femme de parole. Vous avez entendu un verset biblique qui m'a préparé les bisous pour la m'assurer. Oui. Au moins, le numéro où ils allaient afficher, en tout cas, n'appelez pas, please. Et puis, vous avez bien appelé ce nombre. Hein, n'appelez pas, envoyez vos textos, tu réponds à Bino. Please, vraiment. Ce que tu as appuyé dans un verset biblique, makamo tozo sa les a charitables. Œuvre charitable, ils ont un groupe biblique. Moi, j'aime Dieu en tant que chrétienne, tu as appuyé toujours dans un verset biblique. Et j'espère que M. Koko Aris aurait kotang et la bisou en gros, si ça ne vous dérange pas. Et puis, on sait dans la Bible, on a la Bible, on essaie de kotang en gros, essayer de lire. C'est juste dans le livre de Ésaïe 58, verset 7. Alors, M. Koko Aris aurait kotang et la bisou, ça sera une bonne chose. Envoyez vos textos, tu as la Bible.
Ésaïe 58, verset 7. Verset 7, hein? Oui. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Voilà. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison gémera. Promptement, ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel, t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mais voici. Voilà. Si tu t'éloignes du milieu de toi, les jougs, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim. Voilà. Si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité. Et les ténèbres seront comme le midi. Voilà. Donc, vous venez de lire ça, passage, monsieur Procoiris. Ça, c'est profond, ça. Hein? Si tu donnes ta propre substance, à celui qui a faim. Donc, Ezali, vision, abysso, il y a on a eu au PC, à l'étranger, quoi. Voilà. Mais partage ton pain avec celui qui a faim. Ouais. Il faut partager. Donc, même le lobby partage ton pain. Nous ne donnons pas seulement du pain. Vous apprenez aussi comment pêcher, quoi. Voilà. Vous opérez la publicité. Et puis, en bas, il dit encore que la Bible nous dit encore, fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ouais. Ne te détourne pas de ton semblable. C'est ça. Donc, ce que mon imoto, Azali nu, couvre-le. Kosekayete, couvre-le. Bible, couvre-le. Ouais. Ne le rejette pas. O Azandoki, O Azali Boye, Azali Shege. Non. Tozali ko rejeter moto mokote, tozali ko couvrir bango. Parce que c'est la Bible qui nous le demande. Bible Saint-Gibisso, si tu vois quelqu'un qui est nu, couvre-le. Donc ces femmes-là qui sont en train de souffrir aujourd'hui au Congo, ces femmes-là qui sont martyrisées, tozo sekabangote, tozo pesabango ou ekoki, tozo ko couvrir nudité na bango, tozo ko aider bango ba kende de l'avant. Ce n'est que pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et allez pour la gloire à mon touté. Parce qu'une femme qui est émancipée, c'est une bénédiction. Une femme qui donc c'est un peu ça quoi, monsieur Kokwaris. En tout cas, là, c'est émission Abisso Yassika. On est là avec Madame Peggy. Parlons peu, mais parlons bien. Et tout ça, là, à chaque deux fois par mois. Et on aura ma sujet. Il y a Marc et la Marc et tout le monde a pu développer. Là, elle est venue nous apporter l'idée de la Banque Basali s'arrêter la Banque. C'est basé ici en Angleterre. Et puis, elles sont basées au Congo. Basan a plus de 150 membres. Donc, comme elle vous a dit, Bazo doit une fois par semaine Bazo recevoir Batou na office en Bango chaque mercredi de 19h à 17h de 17h à 23h à 21h ouais donc on a problème là il y a problème quand on a Bango ou bien que ça est belé ba numéro na Bango na serre là pour contacter Bango et ça pas problème t'es monsieur Kokwaris et ça allait juste que parce que bat bazali ba ebi place à kokenete bat bazali na orientation t'es et ça mutaza un problème t'es ça un problème par exemple comme tu peux le dire il y a cancer il y a housing bakati nous sommes là pour vous aider donc benga en tant que ONG en tant que charité tozan a un mot à dire na gouvernement que mutaza na bana muto bobo nous pouvons toujours plaider votre cause pas en tant qu'avocate, mais en tant que ONG, en tant que charité. Donc, ce qui n'est pas bilan, quand c'est le taxe, c'est commis déjà élevé. Ou bien, rent nayo, il faut venir. La porte est ouverte à tout le monde. Venez, nous allons vous aider en tant que charité. Donc, essayer de réduire la charge. Et puis, tu as aidé à la somme. Tu as aidé à la propre rentité, parce que on est comme un peu compliqué. Mais, tu as aidé à la rente, tu es up to date. Tu as aidé à critères, surtout à la concrétiser. Il faut venir beaucoup à la propriétaire. Tout le monde a quatre médiocrité. Tout les communautés congolaises dans l'Angleterre, tout comme la landlord, tout comme dans les colons, quoi, tout le monde. Oh, écoute, il y a un ciment, un abisso, un katiamboka. Donc, c'est le service que nous sommes en train de servir. Tout ça, la service, et puis, dans le Congo, on est en Tikolobango. Ce sont avec des femmes que nous sommes en train de travailler. Donc, adresse, nous sommes même dans le Congo et Kolekawana. Oh, boebi, qu'une femme, même dans le niveau de la famille, dans le Congo, il faut les envoyer, t'as formé bango, t'as créé un emploi, t'as éduqué moi aussi pour la réinsertion de la femme. Nous voulons aider les femmes à aller de l'avant. Parce qu'on dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Une grande femme, ouais.
Ça, voilà. C'est bien dit, madame Peggy. En tout cas, voilà. Programme, programme,